Taxer les robots, cette idée lancée par Benoît Hamon et cautionnée par Bill Gates, est loin de faire l'unanimité. Elle a pourtant sa logique et mérite qu'on s'y attarde, afin de comprendre d'abord le jeu d'hypothèses qui fonde sa pertinence, puis le cas échéant, sa faisabilité. Le raisonnement paraît imparable à la base, puisque le robot se substitue à vitesse accélérée à l'homme, aussi bien pour les tâches physiques qu'intellectuelles, la part des revenus du capital va s'accroître dans la richesse nationale. Et c'est sur cette composante en croissance qu'il faut asseoir nos cotisations demain, si l'on veut continuer à financer la protection sociale et irriguer le circuit de la consommation. Sinon, cette rente technologique va être captée par une poignée de détenteurs de capitaux qui la sous-consommeront. Hypothèse forte, donc, le robot se substitue à l'homme et atrophie la quantité de travail mobilisée par les économies. C'est sur cette hypothèse de substitution que tout repose, et plus que cela, de substitution sans déversement sur de nouveaux métiers. Or, on le sait, le sujet est débattu. Pour certains, cette révolution est d'un ordre particulier. Si l'on prend une acception large du robot, en y intégrant les robots industriels, l'imprimante 3D, les machines intelligentes et autonomes, mais aussi tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tous ces algorithmes qui prennent en charge les capacités cognitives de l'individu, un volume considérable d'emplois est voué à disparaître sans véritable relève. Les chauffeurs, les caissières, les emplois de maintenance, la plupart des métiers administratifs ou de contrôle, etc. Et même si l'on sait que le numérique crée aussi son lot de logisticiens, d'informaticiens, etc., difficile d'entrevoir aujourd'hui un jeu à somme nulle ou positif de destruction créatrice. Quant aux emplois traditionnels de déversement, dans les services à la personne notamment, ils sont eux-mêmes susceptibles d'être demain automatisés. Et ceux qui se dessinent sous nos yeux semblent plutôt donner raison aux tenants de cette version. Hein la part des revenus du capital tend plutôt à augmenter dans nos économies développées et deux, les emplois de déversement demeurent mais tendent à se dégrader. Leur faible capacité contributive complique le financement de la protection sociale et promet de nouvelles poches de pauvreté, notamment au moment de la retraite. Il n'en reste pas moins que les raisons qui peuvent expliquer la déformation de la valeur ajoutée en faveur du capital sont multiples et qu'une erreur d'interprétation peut être fatale. Nombre d'économistes continuent à penser que cette révolution ne diffère pas des précédentes. Elle génère des gains de productivité dans les secteurs qui s'automatisent, participe à la baisse des prix de certains pans de la consommation, et libère du pouvoir d'achat, ce qui permet un redéploiement de la demande et de l'emploi vers de nouveaux services. Dans ce cas, taxer les robots ralentit les gains de productivité et le redéploiement des activités vers de nouveaux métiers. Robotisation et emploi sont pris dans une relation de complémentarité. Freiner l'un, c'est freiner l'autre. Taxer les robots, c'est un pari donc sur le sens de l'histoire. S'ajoute ensuite la question de la faisabilité, car ce n'est pas tout d'avoir raison sur le fond. Il faut savoir aussi mettre en œuvre cette idée. Avec plusieurs niveaux de difficultés. D'abord, celle de l'assiette. Que mettons sous l'appellation contrôlée robot S'il ne s'agit que des robots industriels, on passe à côté de l'essentiel des ordinateurs, des logiciels, des algorithmes, de toutes les formes de machines intelligentes qui prennent la relève de l'homme. Faut-il ensuite taxer les robots en tant que tels Problème leur prix ne cesse de décroître. Ou bien les revenus qu'ils génèrent mais comment les individualiser alors dans une économie en réseau où tous les facteurs sont interdépendants Adosser les cotisations à la valeur ajoutée, de sorte à rétablir une neutralité entre tous les facteurs de production, paraît de ce point de vue la piste la plus prometteuse et celle qui, de surcroît, limite les risques d'optimisation et d'évasion fiscale. Et reste enfin la sempiternelle question, comment conduire aujourd'hui une réforme même pertinente dans ses principes, dans un seul pays. La concurrence est là, la France est plutôt moins bien dotée que d'autres pays en robots, peut-elle seule orienter le fil de l'histoire sans s'exposer à de redoutables problèmes de compétitivité et d'attractivité Bref, on le devine, l'idée est peut-être bonne, mais elle a besoin d'une expérimentation dans un pays déjà richement doté en robots et à la démographie déclinante, le Japon plutôt que la France en somme.